Good morning, Aleïden, les tous aujourd'hui, les Lunishmat, Rachamim ben Rosa, Chaya bat Tova, ainsi que leur fête, les Zevlun ben Chaya Malia, Miriam bat Chassida, Dov ben Yudit, Sarah bat Petit Rika, Betor Chapel Israël. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechet Bechorot, Perek Aleph, Mishnah Gimel, Chamor, Shelo, Ikra, Veyalda, Shnei Zecharim, Noten, Tale Echad, La Kohen, Zacharon Keva, Mafrish, Tale Echad, Le Atzmo, שתי חמורים שלא ביקרו וילדו שני זכרים נותן שני תלאים לכהן זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה נותן תלה אחד לכהן שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות אין כאן לכהן כלום משנה סופרה סמפל On va expliquer le principe d'abord un petit peu à l'oral c'est tout d'abord lorsqu'on a un peter chamor c'est-à-dire un premier né d'une ânesse, donc une ânesse qui a mis bas un mâle. On a la mitzvah de sanctifier le Bechor, il a une gdusha qu'il faut racheter, on expliquera ensuite plus tard les options qu'on a, en tout cas qu'il faut que la Torah nous donne la possibilité de le racheter sur un mouton, sur un talé. Un talé c'est un mouton, talé c'est un talé. On rachète, donc on fait passer la gdusha de l'âne sur le mouton, même s'il a, peu importe la valeur, comme on expliquera. Tant qu'on n'a pas racheté la gdoucha, on n'a pas le droit d'utiliser l'âne. Il interdit à en tirer profit. Ça va porter dans le Tosot Yom Tov, qui a en réalité une discussion sur ça, mais la Mishnah elle va selon l'avis que c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de tirer profit. D'accord ? Pour le moment, donnée très simple. On va parler maintenant dans notre Mishnah des situations où on a un doute. Est-ce que l'âne qui a le nouveau-né, est-ce qu'il a été béchor ou non ? Cas classique, par exemple, une ânesse, on ne l'a pas vu mettre bas, on ouvre le matin l'étable, et on remarque que Mazal Tov, elle a accouché un garçon et une fille, le choix du roi. Et on a donc un mâle et une femelle, un petit ânon et une petite ânone, je ne sais pas si ça se dit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est qui est né d'abord. Si c'est l'âne qui est né d'abord, donc il a une gdoucha. Si c'est le mâle qui est né d'abord, il y a une gdoucha dessus, il va falloir le racheter. Si c'est la femelle qui est née avant, donc il n'y a aucune gdoucha, parce que la femelle, elle ne fait pas, il n'y a pas de gdoucha de Bechor. Et ensuite, l'âne qui est finalement sorti en deuxième position, eh ben, il n'est pas Bechor. Comme chez les hommes, lorsqu'il y a des jumeaux en première couche, eh ben, il y aura le pidion, si, à condition, si et seulement si, c'est le mâle qui est né d'abord, c'est le garçon qui est né d'abord. Si c'est la fille qui est née d'abord, il n'y a plus de gdoucha, il n'y a plus de gdoucha de Bechor, il n'y a pas de pidion ben pour le deuxième. D'accord ? Logique. Et eh bien voilà, c'est le principe de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on fera en situation de doute ? On te dira, tout d'abord, pour libérer la gdoucha qu'il y a dessus, apporte un petit mouton et transfère la gdoucha. Maintenant, il faut savoir, une fois qu'on a transféré la gdoucha sur le mouton, le Israël peut en tirer profit. Le seul truc, c'est que ça appartient au Kohen, et si on l'utilise, on le vole. Mais là, la grande règle, depuis qu'on connaît déjà maintenant, depuis Baba Kama, Baba Metsia, Zeklal Gadol Bedin, Amotsi Mechavero La Varaya. Grande règle, lorsqu'on a un doute, est-ce que je dois ou je dois pas, dans le doute, tu payes pas. Donc, tu vas prendre le... Donc là, on va se retrouver dans une situation, on a une certaine confrontation entre les interdits de la Torah et les lois juridiques et les différents d'argent de la Torah. Donc, on va se retrouver avec un âne, qu'on sait pas ce qu'il est kadosh ou pas, on va te dire, ben, pour pouvoir permettre l'utilisation, tu transfères la gdoucha sur un mouton. Mais une fois que tu as transféré la gdoucha sur le mouton, tu ne le donnes pas au Kohen, parce qu'on ne sait pas, peut-être que ça ne donne pas de droit. Parce qu'en réalité, peut-être que l'âne, il n'était pas Bechor. D'accord ? Donc dans le doute, tu transfères la gdoucha, mais tu ne le donnes pas au Kohen, tu le gardes pour toi. C'est là tout le principe de la Mishnah, qui va nous dire, par contre, dans certaines situations, il faudra quand même en donner un. D'accord ? C'est là tout le truc de la Mishnah. Et maintenant, on le fait et on avance vers Hashem. Chamor shelo bikra. Un chamor, en réalité, c'est une femelle, c'est une chamora, c'est une ânesse, chez l'obikra, qui n'a jamais été eu de bechor pour le moment, elle n'a pas encore mis bas. Veyalda shnei zecharim, elle a mis bas de deux petits, de deux mâles. Bon ben, pour le moment, noten talei echad lakohen, même si tu ne sais pas qui est l'anon nouveau-né, le premier-né, tu ne sais pas c'est qui le premier-né, donc, malgré tout, quoi qu'il arrive, puisqu'il y a une mère. Avec deux enfants, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui était le premier. Les deux, quel que soit le cas, il y aura un qui sera chayav, et bien tu amènes tout ton mouton, et tu dis, mais écoute, la gdoucha, où elle est, soit celui de droite, soit celui de gauche, elle est transférée sur le mouton, et le mouton, tu le donnes au Kohen.
Pour le moment, tout va bien. Maintenant, Zacharun Keva, lorsque tu ouvres l'étable le lendemain matin, tu vois qu'il y a un mâle et une femelle, et donc, on ne sait pas qui est né d'abord. La femelle avant, donc il n'y a pas de Bechor, ou le mâle avant, donc il y a un Bechor. Qu'est-ce qu'on fait ? Mafrij tale chad le atzmo, ou le Bartonois, il dit, il a la girsa qu'il faut dire vehu le atzmo. Donc, tu devras prélever, apporter un mouton, transférer la gdusha dessus, vehu le atzmo, mais tu le gardes pour toi, tu ne dois pas le donner au Kohen, parce que Amotsi Mechavero ala varaya. Si le Kohen prétend, il veut que ça lui revienne, parce que ça lui revient de droit, c'est un premier-né, on va dire, ben, prouve que c'est effectivement qu'il est né, qu'il est sorti d'abord. D'accord ? On continue maintenant. Shnei Chamorim Shelobiku. De nouvelles situations, il y avait deux. Le Bartonora, lui, il dit Shte Chamorot, et c'est mieux de le dire comme ça, Shte Chamorot. On parle de deux ânesses qui n'ont jamais eu de, qui n'ont jamais mis bas pour le moment. Et donc, même situation, on ouvre le lendemain matin l'étable, et Veyaldou Shnei Yisrarim Mazal Tov, il y a eu deux nouveaux-nés qui sont nés. Bon, ben, pour le moment, Noten Shnet Laim. Pour le moment, c'est évident, Shnet Laim la Kohen. Il faudra donner les deux moutons au Kohen. Tu amènes deux moutons, tu transfères la gdusha dessus, et tu les donnes les deux au Kohen, pour le moment, parce qu'il n'y a pas de doute. Mais si c'était Zachar un Keva, un mâle et une femelle, alors là, on peut le dire aussi, c'est sûr qu'il y a un nouveau-né qui est Bechor et l'autre nouveau-né qui n'est pas Bechor. Donc tu amènes un mouton, tu le donnes au Kohen. C'est ce que la Mishnah va nous dire ensuite. Mais de même, Oshnei Zacharim un Keva, mais même si on se retrouve avec deux mâles et une femelle, on aura le même principe. Que peut-être que le un petit anon est né pour une, et l'autre, ça a été une femelle qui est née. Donc, tu dois que un seul mouton. Peut-être qu'il y a eu au contraire, qu'il y a eu les deux annonces, sont les deux premiers nés, un pour l'un et l'autre pour l'autre. Donc, dans ce cas-là, tu rêves deux fois, donc tu amènes deux moutons. Un, tu le donnes certainement au Kohen, et l'autre, tu le gardes. D'accord ? C'est ce que la Mishnah me dit. S'il y a eu Oshne Yisrarim Onekeva, deux mâles et une femelle, eh bien, Noten, Talé et Chad, la Kohen, il devra donner un mouton au Kohen. On continue à présent. Shten et Kevot, Vezachar. S'il y avait à présent, on ouvre la porte de l'étable, et qu'est-ce qu'on découvre ? Shten et Kevot, deux femelles, nouveau-nés, Vezachar et un mâle. Donc faites le calcul tout seul. Qu'est-ce qui se passe ? Une chose de sûre, il y en a une des deux qui n'a pas mis bas un premier-né mâle. C'est certain, parce qu'il n'y a qu'un seul mâle. Donc il est né soit de l'une, soit de l'autre. Maintenant, est-ce qu'elle était premier-né ou non ? Donc, dans le doute, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas. Tu devras amener un mouton, tu le gardes pour toi. Idem encore, s'il y en a eu, on a eu deux mâles et deux femelles. Donc, en fait, les deux, elles avaient des jumeaux dans le ventre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce que c'était les deux mâles pour une et les deux femelles pour l'autre ? Est-ce qu'il y a eu deux mâles, un mâle, une femelle ? C'est-à-dire, un mâle, une femelle, mais que la femelle qui sort d'avant, ou bien les mâles qui sont nés avant. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Dans le doute, qu'est-ce qu'on va faire ? La Mishnah ne précise pas qu'il faudra d'abord racheter la Gdusha sur les moutons, il faudra la transférer, mais en kan la Kohen Klum, mais on ne donnera rien au Kohen, rien ne le reviendra de droit. D'accord ? La Mishnah, je vous ai dit, elle était très simple. Il y a bien sûr, bien évidemment, si vous voyez le Bartenois, il rallonge un peu à la fin, parce qu'il rapporte un avis du Rambam qui est très compliqué, mais on ne va pas du tout développer le sujet. Pour notre propos, on arrête là. Juste pour rappel, aujourd'hui, on a lancé les 36 heures de la campagne. Mezrat Hashem Izkor Avato pour toutes les institutions ouvertes par le Rosh Yeshiva, Rashmol Urbach, Zedek Kodosh Libracha. C'est en ce moment, c'est le moment, si vous voulez faire un super placement dans la vie, vraiment faire quelque chose qui va vous donner du mérite énorme, parce que ça touche en même temps à l'éducation des garçons et des filles de tous les âges, c'est vraiment un mérite extra. J'ai de quoi ranger beaucoup pour vous expliquer pourquoi c'est vachement important. Mais je ne rallongerai pas, je vous promets que c'est un investissement, ça vaut le coup, même si vous n'avez pas à donner 10 euros, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça vaut le coup de mettre l'argent là où il faut le mettre. C'est important, les bons placements. Eh bien, vous rentrez sur le site, je vais mettre le lien, Bezrat Hashem, tout de suite, voilà, vous le voyez apparaître, je pense, sur l'écran. J'espère que je ne vais pas planter. Sinon, vous rentrez sur charity.com. C'est la campagne Iskor Avato. Mais je vais mettre tout de suite le lien. Comme ça, vous pouvez arriver directement. Si déjà, comme ça va être sur mon compte. Comme ça, c'est ma fierté. C'est moi qui ai réussi à ramener une belle somme. Mais un TCM, il n'y a aucun pourcentage pour nous. Vous inquiétez pas. Et c'est juste on est rentré en compétition. On sait qui va avoir plus de mérite. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et disco les mesures pour ceux qui participent. Et pour ceux qui veulent participer, mais qui n'ont pas les moyens. Ben, TCM, il vous donne toujours le...
que Bezrat Hashem, vous ayez chef à votre Slacha pour pouvoir bien placer votre argent là où il faut. Et voilà, call to, c'est là.